dans un pays qui s'ouvre à la mondialisation, où il y a beaucoup de projets, mais on a choisi aussi certains secteurs par rapport à d'autres. Et ces secteurs-là, forcément, vont être porteurs de plus d'emplois que d'autres. On sait que l'aérospatiale au Maroc, on lui donne de l'importance, on veut l'encourager, on sait que le secteur d'automobile aussi est dans ce cas-là. Nous savons que par la force des choses au Maroc, les BTP ont une importance et aujourd'hui, on essaie aussi d'aller vers d'autres pays, particulièrement en Afrique. Nous savons aussi que la finance aujourd'hui, d'un point de vue international, prend de l'importance, mais au Maroc, nous avons la cité de Casablanca, la city, il faut dire city, hein, donc financière, qui va bien sûr devoir attirer beaucoup de nouvelles compétences. Tout ça, ce sont les métiers du futur. Nous savons, et ça avait été dit, que le Maroc aura besoin d'à peu près 10 000 ingénieurs par an, et encore plus, hein, plus nous serons dans des perspectives de croissance importantes, et j'espère que ce sera le cas après le passage de cette crise que nous vivons, et nous entrevoyons peut-être un peu les prémices d'une reprise à partir de 2015, et donc ces 10 000 vont être dépassés, alors que le Maroc ne forme pas autant, je ne sais pas aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été faits, si on arrive à 3 000 ou pas encore. Et en plus, il ne faudrait pas seulement former par la quantité, mais surtout aussi, et particulièrement, par la qualité. Et c'est les entreprises, c'est là où elles vont faire la différence. Et c'est là le point le plus important quand on parle de compétence. Parce que la compétence, aujourd'hui, comme disait un des grands spécialistes, il n'y a de compétence que de compétence en acte. On ne peut pas mesurer la compétence par rapport à soi-même. Jamais, moi, je peux me dire « je suis compétent ». Je ne sais pas si je suis compétent ou pas. C'est aux autres de déterminer, une fois qu'ils ont travaillé avec moi et qu'ils ont jugé mon travail, si je suis compétent ou pas et dans quel domaine je le suis. Mais moi, je serais très prétentieux si je vous disais « moi, je suis le plus compétent dans ce domaine-là ». Et donc, il faut faire attention à ne pas prendre ce qu'on a appris, et c'est peut-être très bien, pour acquis et comme étant une compétence. C'est une partie, d'accord, qui va nous permettre, et surtout quand on termine des études, nous sommes encore dans une grande partie dans le savoir, et un peu de savoir. Le savoir-faire, il est à développer. Alors, maintenant, la compétence, c'est beaucoup plus que le savoir, savoir-être et savoir-faire. C'est aussi beaucoup de choses. En fait, quelqu'un définissait la compétence, c'est la capacité à mobiliser, à un moment donné, toutes les compétences, les habiletés, les expériences, la formation en fait, que nous avons acquis durant toute notre période jusqu'à au jour où on est confronté à ce problème-là, que nous mobilisons pour régler ce problème-là. Et donc moi, je peux mobiliser un certain nombre de choses, que lui mobilisera d'autres, et on arrivera peut-être au même résultat, mais pas par le même chemin. Mais nous aurons déployé des compétences différentes pour arriver à cela. Et c'est ça, en fait, les compétences dépendent de chaque personne. Et aujourd'hui, quand on fait des formations, les formations sont plus ou moins égales. Quand on est dans une structure comme la vôtre, qui est d'un certain niveau, qui veut se placer, parce qu'elle est jeune, mais elle veut se placer à un niveau de qualité élevé, elle veut ressembler ou être au diapason de ce qui se passe à l'international, je crois qu'au point de vue formation, vous n'aurez pas de différence entre vous et quelqu'un que vous rencontrerez une fois que vous aurez terminé les études et qui aurait fait ses études à Shanghai ou à Boston ou à Madrid, etc. Donc généralement, c'est plus ou moins les mêmes programmes, etc., de base. Maintenant, la différence se fera dans le reste. Et le reste ne se prépare pas une fois que l'on est sur le marché de l'emploi. Ça commence à se préparer aussi quand on est à l'université. Et c'est fondamental. Je disais toujours que quand je reçois deux étudiants qui ont terminé leurs études, et j'ai un qui me montre les meilleures notes, toujours des 19, des 20, tout ça, je me méfie beaucoup plus de celui-là que de celui qui a eu des 12 et des 13, enfin, qui était bon. Voilà. Hein? Mais la différence, j'aimerais bien, moi, celui qui a eu 19, bien sûr, mais qui a fait d'autres choses. Parce que même celui qui a eu 12 et 13 et qui n'a rien fait, entre autres, est-ce qu'il a géré une association? Est-ce qu'il a été dans un club? Est-ce qu'il a pris des initiatives pour aller aider des associations dans le domaine, je ne sais pas moi, de l'alphabétisation, ou pour aller aussi pour des associations comme, contre certains fléaux, comme le sida, etc. Tout ça, tout compter. Quelles sont les initiatives qu'il a prises en dehors, d'accord, de son domaine strict d'études, qui lui ont permis de comprendre l'environnement dans lequel il vit, ça
peut être aussi un parti politique, pourquoi pas, pour ceux qui voudraient le faire, parce que c'est un peu le temps. Parce que nous faisons de la politique, nous sommes obligés, il y a toujours des politiques qui nous dirigent, et ce serait bien que ce sera dans le futur des politiciens un peu plus au fait du monde que beaucoup de ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est la jeunesse de demain qui est capable de faire ça aussi. Tout ça est très important, et tout ça se prépare quand on est en train de faire des études. Parce qu'une fois qu'on est sur le marché, la différence se fera par ça au départ. Et aussi, une fois que vous êtes sur le terrain, en train de déployer, bien sûr, on fera la différence avec ça. Bon, il y a toujours la culture de l'entreprise qui a un effet, sachant que les entreprises elles-mêmes évoluent énormément en interne, et toutes celles qui ne seront pas évoluées avec toutes les évolutions dans tous les domaines aujourd'hui, et qui font qu'il y a, par la force des choses, des changements immenses, très importants, qui vont devoir s'opérer au sein de l'entreprise, et qui vont nous demander, nous, des comportements très différents par rapport à ça, qu'il faut qu'on intègre. Déjà aujourd'hui, j'entends souvent parler de la génération Y, c'est un sujet bien sûr qui m'interpelle beaucoup, et j'essaye d'observer aussi, moi, génération Y, sur laquelle on dit beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de fausses choses. Alors, des fois, maintenant, tous les fantasmes que nous avons, on les sort pour les mettre sur le dos de la génération Y. Et tout ce qu'on n'a pas pu faire, c'est la génération Y. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est une génération. Nous aussi, quand on était jeunes, on disait ça de nous. C'est, disons, dans toute l'histoire, les jeunes ont été vus d'une manière assez, disons, bizarre par ceux qui les ont précédés. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Sauf qu'aujourd'hui, on met toujours un terme derrière. Donc, Y, c'est venu, en fait, de quoi c'est venu Y? C'était les personnes qui ont été de la musique, quand j'avais bien la semi-tour, et ils mettaient les deux écouteurs là, et puis c'était le Y. Voilà, et donc ils étaient dans leur monde, en train d'entendre la musique, etc. L'environnement, en fait, ils n'étaient pas beaucoup dedans, et c'est venu de ça, et voilà, après tout, c'est. Et donc cette génération-là, en fait, elle a aussi besoin de réussir, elle a besoin aussi d'être vue de manière positive comme tout le monde, elle a besoin aussi d'opportunités, elle veut aussi réussir, mais elle a d'autres attentes différentes, parce qu'elle est dans un monde différent aussi. On dit qu'elle est impatiente, mais tous les jeunes ont été impatients à leur âge relativement, donc effectivement elle est impatiente, sauf aujourd'hui non seulement elle est impatiente, mais elle est dans un monde aussi où la vitesse est, je ne sais pas combien de fois, plus supérieure à la vitesse dans laquelle nous vivions il y a à peine 30 ans ou 40 ans. Tout ça peut s'expliquer. Mais ce qu'elle demande, elle, et c'est ça qu'il faut que nous, les anciens, si on peut dire, différentes générations, on comprenne, ce qu'elle demande, c'est un autre type de relation. Une autre vue sur eux, et ça, on n'a pas encore opéré nous-mêmes. Bien sûr, elle doit évoluer pour intégrer l'entreprise, pour comprendre aussi les contraintes de l'entreprise, parce que l'entreprise demande une discipline, demande des contraintes et tout ça, que la génération, disons, Y peut avoir moins que les générations précédentes. Mais il faudrait aussi que nous, les autres, on change notre vision, d'accord, notre regard sur cette génération-là, et lui donner des moyens de s'exprimer différemment et développer avec des liens différents. Elle veut être vue différemment, elle veut donner son point de vue, elle veut participer, etc. Et tout ça est important, mais si on reste avec une vision taylorienne, comme on dit, ou une vision hiérarchique du management, où moi je suis le patron et vous n'avez qu'à m'écouter et exécuter, non, ça ne marchera pas avec cette génération. Donc, ce que je peux dire avant de passer la parole, parce que je suis désolé, je crois que j'ai pris assez de temps, c'est qu'il y a beaucoup de défis pour les jeunes, mais le plus important parmi les défis, c'est d'abord, bien sûr, de bien maîtriser un domaine, de bien choisir. Choisissez des choses que vous avez envie de faire, que vous aimez faire, faites-les bien, et en même temps, ne vous dites pas que c'est suffisant, faites d'autres choses avec. D'autres choses qui vous intéressent, ça peut être le théâtre, ça peut être le sport, ça peut être des activités ludiques, ça peut être des associations, etc. Mais faites des choses qui vous permettront aussi d'avoir un peu le lien avec votre environnement, avec la vie de tous les jours. Donc je passe la parole à M. Mbiane pour nous planter le décor sur les. Merci M. Bellal pour cette belle introduction, très intéressante, très riche. Que peut avoir un recruteur comme vous, qui est réellement
je pense, avant-gardistes par rapport notamment aux réseaux sociaux comme Viadeo, comme d'autres. Ils font partie des premiers qui ont fait confiance à Viadeo depuis qu'on est présent au Maroc et qui ont compris très tôt qu'il fallait chercher les talents sur ces plateformes-là. Voilà, le monde est en train de changer, il faut changer avec. Je pense que l'audience présente aujourd'hui dans cette salle comprend très bien ces enjeux. Nous, aujourd'hui, en tant que Viadeo, on est là en tant que tiers de confiance. D'accord, on n'a absolument pas vocation à dire qu'on maîtrise le marché marocain en termes de métier, en termes de compétences, etc. On va s'appuyer tout simplement sur des chiffres. D'accord, donc, Viadeo, alors, on va passer au slide suivant. Donc, Viadeo, en fait, est présent à travers le monde. Donc, l'histoire de Viadeo, en deux mots, c'est une histoire qui est partie de Paris il y a 10 ans. Viadeo va fêter ses 10 ans cette année. Deux serial entrepreneurs, donc des gens qui ont monté un tas d'entreprises et qui ont créé au début des années 2000 une association, enfin plutôt une entreprise qui regroupe en fait les créateurs d'entreprises, donc des PME, des chefs d'entreprise, des chefs de PME qui ressentaient le besoin d'échanger, de networker entre eux, qui s'appelle Aggregator, qui existe encore. Et l'histoire est partie de là. Donc, de network en network, ils organisaient des événements ponctuels pour permettre à ces gens d'échanger entre eux, de ne pas être isolés et voire de faire du business ensemble. Et à un moment donné, ces gens se sont dit, bon, on ne peut pas se voir tous les jours. On a chacun nos domaines d'activité qui nous prennent pas mal de temps. Mais ce serait bien qu'on puisse interagir entre les événements. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. C'est d'abord une sorte d'intranet privé. Et petit à petit, ça a tellement bien pris que les gens se sont dit, bon, on va élargir, ce serait bien qu'on puisse inviter nos copains, nos camarades de promo, etc., qui, eux aussi, peuvent avoir un intérêt à échanger avec des professionnels. Et c'est comme ça qu'est partie l'histoire. Donc, j'insiste pas mal sur ce point, parce que je pense que la jeunesse, où qu'elle soit, aujourd'hui, a l'opportunité d'oser. Et là, pour le coup, ce sont deux entrepreneurs français qui ont osé d'abord lancer un projet tel que celui-ci en France et qui aujourd'hui ont une plateforme internationale mondiale, d'accord, qui regroupe 60 millions de membres à travers le monde et qui ont tout simplement osé en s'appuyant sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui constitue ces outils qui permettent de faire du business à une très grande échelle, avec très peu de moyens au départ, et qui permettent vraiment d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Et on reste très ambitieux. D'ailleurs, on a un projet de cotation en bourse. Enfin, c'est en cours. Prochainement, Viadeo va être coté en bourse. Donc, aujourd'hui, en fait, Viadeo a une stratégie très forte au niveau des marchés émergents. C'est ce qui explique notre présence en Afrique. Nous avons choisi le Maroc comme hub, parce qu'on considère que le Maroc est vraiment une très, très belle vitrine de ce que va devenir l'Afrique, on parle de l'Afrique francophone essentiellement, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et le Maroc joue un rôle moteur. Vous l'avez vu tous, la démarche du royaume du Maroc par rapport à l'Afrique, qui lui tend la main et qui emmène les investisseurs sur ces marchés-là pour leur permettre de se développer avec un dialogue sud-sud pour être plus fort et pour avoir son mot à dire par rapport à une échelle mondiale où pendant longtemps on a décidé pour nous, pendant longtemps les choses se sont faites comme ça. Et aujourd'hui, on a de plus en plus un mot à dire et tout le monde parle du potentiel de l'Afrique. Donc je pense que vous en êtes tous conscients et les enseignants en général comprennent bien l'intérêt et poussent les jeunes dans ce sens. Et aujourd'hui, donc, nous sommes, je vous disais, tiers de confiance. On observe en fait des données marché qui sont très intéressantes. Et c'est ce que vous avez actuellement à l'écran. Le réseau Viadeo au Maroc est très vivant. Vous avez des échanges qui se font très régulièrement entre les membres, des mises en relation, des discussions, des participations à des groupes, à des hubs, etc. Et vous avez une représentativité vraiment intéressante par rapport au marché du travail. Nous nous focusons beaucoup sur les jeunes, parce qu'on considère que les jeunes, c'est comme ça qu'on a fait procéder en France.
les jeunes, c'est l'avenir quelque part des réseaux sociaux, parce que si dès l'école, vous commencez à vous donner de la visibilité, à gérer votre employabilité en étant jeune et bientôt actif sur le marché du travail, il est évident que demain, quand vous aurez des positions de manager, de décideur, vous allez également vous appuyer sur ces réseaux, parce que vous savez comment ça marche et vous savez comment dénicher, détecter les bonnes personnes, les talents. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, on a une tendance à être considéré comme le réseau favori des candidats, d'accord, localement. Parce que non seulement nous avons une présence locale, mais nous avons des actions locales pour justement faire comprendre aux gens l'intérêt d'être sur des plateformes comme la nôtre et la possibilité d'agir localement. La grande différence entre Viadeo et d'autres réseaux professionnels, c'est d'être dans une logique multilocale. On est présent localement. Donc on est online, mais on est également offline, puisqu'on est aujourd'hui ici avec vous, on participe à un certain nombre d'événements pour être visible et humaniser un maximum la relation entre les professionnels du digital que nous sommes à travers des plateformes et le monde, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui sur la plateforme Viadeo, c'est tout simplement le reflet du marché, du recrutement, de l'emploi, et les gens sont de plus en plus conscients par rapport aux avantages d'être sur ces plateformes. Donc, le cœur de cible de Viadeo se situe entre 25 et 55 ans, mais nous avons un âge médian aujourd'hui qui est aussi entre 32 et 33 ans. Donc des jeunes professionnels actifs qui ont quelques années d'expérience et qui s'appuient sur la plateforme pour développer leur réputation en ligne. Comme on le disait tout à l'heure, un juste reflet du marché. Donc vous voyez ici tous les secteurs d'activité qui sont représentés, avec une forte représentation dans le domaine de tout ce qui est service, naturellement, parce que le service comprend très vite l'intérêt. On parlait tout à l'heure de la stratégie du groupe AXA, qui vraiment va dans le digital et va y aller de plus en plus fort. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les fonctions les plus représentées chez nous dans le domaine de la production, du technique, de l'ingénierie. Vous avez également des décideurs, directeurs, management, etc. Vous avez naturellement le secteur de l'IT et de l'Internet donc, qui est bien représenté. Et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerciaux. Parce que l'avantage des commerciaux sur une plateforme comme la nôtre, c'est que non seulement ils peuvent se donner de la visibilité par rapport aux recruteurs, mais surtout, c'est un outil qu'ils utilisent au quotidien pour approcher plus finement que la démarche classique d'appeler l'entreprise, bonjour, avec les barrages secrétaires, etc. Là, on parle directement à des décideurs. Et vous disiez tout à l'heure, M. Bellal, qu'aujourd'hui, les jeunes doivent mettre en avant ce qu'ils savent faire, leur talent, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment, justement, l'opportunité pour les jeunes de démontrer leur talent, leur capacité, et de pouvoir se mettre en relation avec les personnes qui les intéressent. Donc du coup, aujourd'hui, en tant que jeune commercial, par exemple, je vais avoir du mal à décrocher un rendez-vous avec le président d'Adora. S'il est présent sur Viadeo, je peux l'approcher, d'autant plus que j'ai des données, en fait, sur son profil qui vont me permettre de cibler et d'adapter mon discours par rapport à la personne et quelque part de l'intéresser pour qu'il accepte de me rencontrer. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, une tendance plutôt forte. Et naturellement, tout ce qui est audit et conseil sont également très présents. Parce qu'il y a toujours ce volet mise en avant des activités de la structure, des activités de la personne en tant que représentante d'une structure, et la possibilité de trouver également des clients sur la plateforme. Je ne commande pas forcément les chiffres, mais si vous avez des questions, je serai les bienvenus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce que vous pouvez voir ici, les jeunes professionnels sont très, très présents, avec des niveaux d'études assez variés. Mais bon, globalement, je pense que ça représente pas mal le marché. Et également, différents niveaux d'expérience, en fait. Donc, les plateformes aujourd'hui
aussi bien pour les personnes qui terminent tout juste, qui sont tout juste diplômées, qui arrivent sur le marché, que les personnes qui sont déjà en poste, qui souhaitent développer leur carrière, c'est vraiment l'outil qui permet de le faire naturellement, sans faire trop d'efforts, parce que vous n'allez pas y passer 24 heures par jour, mais simplement en ayant des informations à jour et en sachant se mettre en avant. Donc il y a de plus en plus de sociétés d'ailleurs qui se créent dans ce sens pour aider, accompagner les personnes, pour les aider. On parle des coachs, par exemple. C'est devenu très courant. Tout simplement pour vous aider à vous vendre, à vous valoriser, à vous mettre en avant. Comme disait M. Bella tout à l'heure, il se méfie des personnes qui sont entre 18 et 19 sur 20. Et il va être moins méfiant par rapport aux personnes qui ont entre 12 et 13 sur 20. Mais ces personnes vont peut-être être un peu timides, vont se dire « Non, mais il y a mieux que moi, il y a les cracks qui sont pas loin de 20, des meilleures notes, etc. » Mais bien au contraire, elles ont peut-être des choses à mettre en avant et qui vont faire qu'elles vont se distinguer des autres. Parce que les recruteurs savent très bien que des fois, vous avez une shortlist de 3 personnes, par exemple, et c'est hyper difficile de choisir l'une plus que les autres. Et il faut justement des éléments vraiment sortir de l'ordinaire. Et l'avantage d'ailleurs des profils sur les plateformes, c'est de pouvoir s'exprimer naturellement, sans être bridé. Je pense que le CV, de toute façon, est amené à... Enfin, n'est pas remis en question. Je ne vais pas aller sur ce terrain. Mais je pense que c'est complémentaire. D'avoir un CV d'un côté et avoir un profil de l'autre, vous dites vous êtes un excellent rédacteur, vous avez 100 fautes sur votre profil, ça ne va pas le faire. Donc soyons concrets, c'est factuel. Et ça permet aux recruteurs d'avoir des données presque psychologiques sur vous avant de vous rencontrer. Et il faut donner envie aux recruteurs de vous rencontrer parce qu'il a 100 CV qui sont sur sa table et il doit être sélectionné. Et il est lui-même challengé par ses clients qui vont interroger peut-être des fois plusieurs cabinets à la fois. C'est peut-être pas très courant aujourd'hui sur les marchés francophones, mais par exemple, je vous donne l'exemple d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on travaille qu'au Success Fees. D'accord ? C'est hyper compétitif. Hyper compétitif. Donc, je ne suis pas trop pour ce modèle-là, mais c'est pour vous dire, voilà, aujourd'hui, les budgets, il y a eu des crises successives, on ne dépense plus n'importe comment, et les entreprises sont hyper exigeantes. Donc, quand elles passent par des spécialistes du recrutement, elles sont très exigeantes vis-à-vis d'elles. Donc, si vous ne sortez pas du lot, ben, vous ne serez pas sélectionné, tout simplement. Donc, voilà, je pense que je ne vais pas insister plus, on aura l'occasion d'échanger un peu plus dans le détail. Juste un dernier slide par rapport aux étudiants. Nous avons des démarches par rapport aux écoles pour justement créer le lien entre les entreprises et les écoles. Et nous avons des projets d'événements dans ce sens, donc, dont certainement l'école fera partie. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Je suis très honoré de participer avec vous à cette journée. Je commencerai d'abord par donner un bref aperçu sur la CGM. La Confédération générale des entreprises du Maroc est une association privée qui a été créée en 1947 et qui regroupe l'ensemble des entreprises du Maroc. Donc, elle regroupe en fait d'abord toutes les associations sectorielles du Maroc qui sont au nombre de 30. Vous avez l'association du BTP, enfin la Fédération nationale du BTP, la Fédération du textile, la Fédération du tourisme, enfin toutes les fédérations sont regroupées au sein de cette confédération. Et un certain nombre d'adhérents qui ne sont pas forcément membres de ces associations. La Confédération générale des entreprises du Maroc dispose de 10 représentations régionales disséminées à travers le Maroc. Vous avez la CGM Centre, la CGM Nord, et ainsi de suite. Et elle regroupe, en fait, en son sein, une vingtaine de commissions, en fait, 22 plus exactement, 22 commissions thématiques qui travaillent chacune sur une problématique différente. Donc vous avez la commission d'intelligence économique, vous avez la commission relations, les accords de libre-échange, vous avez la commission fiscale, la commission juridique, la commission formation professionnelle dont je suis issu et qui travaille avec les pouvoirs publics sur un certain nombre de problématiques dans le cadre de la
des plateformes gouvernement-patronat dans lesquelles nous traitons un certain nombre de sujets, et notamment l'emploi. Et à ce titre, au niveau de la commission de la formation professionnelle, nous avons abouti dernièrement à un accord avec le gouvernement sur la mise en place des procédures pour, disons, améliorer la formation continue au sein des entreprises, d'une part, et d'autre part, pouvoir disposer d'un instrument qui permettrait de faire des études sectorielles, des études de diagnostic, des études de besoins, etc. C'est ce qu'on a appelé l'Observatoire de l'emploi et d'employabilité. Alors, brièvement, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du Maroc payent une taxe de la formation professionnelle qui représente 1,6% de la masse salariale de l'entreprise. Et cette masse salariale et ce fonds était jusqu'à présent bloqué à cause d'un certain nombre de procédures qui ne permettaient pas aux entreprises de pouvoir disposer de cette manne financière. Donc actuellement, le problème a été résolu. Donc il y a deux ou trois semaines, on a signé avec le Premier ministre un accord qui va permettre à la Confédération générale des entreprises de pouvoir disposer de 30% de cette masse, de ce fonds, qui représente actuellement à peu près 170 milliards de centimes, et qui va permettre donc de pouvoir faire fonctionner l'Observatoire de l'emploi et de l'employabilité dont on a parlé tout à l'heure. Donc cet observatoire sera gouverné de manière tripartite, donc gouvernance tripartite avec la CGM d'une part, les pouvoirs publics, l'État d'autre part et les syndicats. Il sera domicilié au sein de la CGM et donc financé par cette taxe de la formation, par une partie de cette taxe de la formation professionnelle, et ses objectifs, seraient donc justement de faire un certain nombre d'études stratégiques, un certain nombre d'études de besoins pour définir au mieux et au plus près quelles sont les attentes des entreprises en termes de formation, en termes de recrutement et ainsi de suite. Et donc je pense que bientôt on pourra disposer de ces outils-là qui pourraient nous permettre de connaître exactement ce que veulent les entreprises actuellement au Maroc. Parce que, comme vous l'avez vu, je crois, enfin, il y a quelques mois, le Maroc a lancé le plan national d'accélération industrielle, qui est la suite logique du plan des PNEI, du plan national d'émergence industrielle, et qui regroupe actuellement donc 9 secteurs qui sont l'offshoring, l'aéronautique, l'automobile, la logistique, la parapharmacie, l'électronique, le textile et cuir. Et on a associé à ce plan une enveloppe de 20 milliards de dirhams. Alors c'est un plan qui va s'étaler sur 2014-2020. Et on a parlé de la création de 500 000 emplois. Bon, c'est un chiffre qui a été avancé, c'est un chiffre qui était quand même assez important, assez important, mais qui est bon sur la période 2014-2020. Et pour nous, justement, le but maintenant avec cet observatoire, c'est pouvoir aller au plus près de ces secteurs et définir exactement par secteur quels sont les profils qui vont être demandés dans les métiers en devenir. On a parlé tout à l'heure des métiers en devenir, donc dans les années qui vont venir, quels sont les besoins actuels et quels sont les besoins en devenir, et de définir de manière précise et de manière chiffrée exactement quels sont les besoins de ces secteurs-là. Donc ça, c'est un instrument qui est très important, qui va pouvoir nous permettre de faire ce genre d'études. Et il nous permettra également de définir tout ce qui est poste de travail hein, au sein de chacun de ces secteurs. Il faudra commencer par définir les fiches, ce qu'on appelle les fiches REM et REC, les répertoires emploi-métier et emploi-compétences, et pouvoir définir pour chaque poste de travail quelles sont les compétences qui sont demandées. Quel est le savoir, quel est le savoir-faire, les compétences, les aptitudes qui sont demandées pour chaque profil,
et essayer, bien sûr, par la suite, en se rapprochant avec les établissements universitaires et avec les établissements de formation, de essayer de réussir un petit peu l'adéquation formation-emploi en établissant justement des référentiels de formation qui s'adaptent au mieux à ces REM et à ces REC qui vont être développés par cet observatoire. Donc voilà un petit peu la mission de cet instrument très très important et qui nous manquait au Maroc. Bon, en France, enfin dans les pays européens, ce sont des instruments qu'on ne peut pas travailler sans ces instruments-là. Ils sont là depuis plusieurs années, ils fournissent des données très importantes. Au Maroc, nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui ce genre d'instrument et ça va être le cas. Donc, dans les mois qui viennent. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses, des choses qui vous sont, en tout cas j'espère, très utiles, sachant que vous êtes à un moment de votre vie où on se pose énormément de questions, on essaie de se projeter dans l'avenir et on sait tous que cet exercice n'est pas simple. Moi, je vais parler d'une expérience, d'un témoignage d'une entreprise, qui est connue. C'est le groupe AXA. Le groupe AXA, pour le situer, la première marque mondiale d'assurance. Pour la quatrième année consécutive, c'est une présence dans 57 pays dans le monde, 102 millions de clients. Donc pour dire que c'est un groupe qui a une certaine expérience et qui est confronté à une culture très diversifiée, notamment à travers les pays dans lesquels il est implanté. Le groupe AXA est organisé en 5 régions. Parmi ces régions, il y a la France. Donc la France constitue en elle-même une région, puisque dans les plus de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe, elle représente un peu plus du quart. Et AXA Service Maroc est rattaché à cette région, puisque nous opérons, AXA Service Maroc est le centre de service, une partie du centre de service d'AXA France, qui est implanté au Maroc, dans le cadre de la politique offerte par le Royaume, notamment sur l'offshoring. Donc là, on distingue la différence entre AXA Service Maroc, qui travaille pour des clients français, dont le service est exporté en France, par rapport à AXA Assurance Maroc, qu'on connaît tous, et que peut-être vous êtes clients, il y a des clients dans la salle, d'AXA Assurance Maroc, qui, elle, opère sur le marché marocain pour assurer personnes au Maroc. En gros, AXA opère dans AXA Service Maroc, ou AXA France opère dans 3 secteurs d'assurance, qui sont l'assurance qu'on appelle l'assurance dommage ou l'assurance de biens. Et donc, c'est lorsque je vais assurer mon véhicule, ma maison, etc. L'assurance aux personnes, c'est lorsque on a un contrat d'assurance maladie, un contrat d'assurance ou d'épargne retraite, lorsqu'on a un contrat de prévoyance, et puis la gestion d'actifs, donc ce sont tous les fonds, soit de personnes, des particuliers, soit des entreprises, qui donnent, qui font confiance à AXA pour qu'elles puissent gérer, faire fructifier et placer leur argent. Au niveau d'AXA Service Maroc, nous assurons un service aux clients essentiellement sur les 2 premiers volets, à savoir l'assurance aux biens et l'assurance aux personnes. Donc nous avons plusieurs métiers, 6 métiers, qui vont de la vente de contrats d'assurance au règlement du sinistre, qui peut être soit un sinistre habitation, soit un sinistre automobile, en passant par une prestation d'assistance, on sait que on n'est pas au risque d'avoir une voiture qui nous laisse en panne. On est ravis souvent quand on a une assurance qui peut nous assister dans ce genre de conditions. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à notre thème d'aujourd'hui, c'est que dans une entreprise, combien même elle peut être spécialisée dans un secteur, elle a toujours besoin de multiplier les compétences autour de sa cible sur laquelle elle opère. Quand on prend le métier d'assurance, c'est un métier qui a besoin d'un panel très large de compétences. Un panel très large de compétences, pour citer quelques-unes, il y a le marketing, dans le service, et on voit bien que le service est pas mal représenté dans les chiffres qui nous ont été présentés tout à l'heure. Le service, en gros, c'est on vend à un client une promesse.
Et on essaie de la tenir un beau jour, mais pour la vendre, il faut pouvoir la construire. Donc il y a des équipes marketing, il y a des équipes d'actuariat, il y a des équipes qui, après coup, sont en contact avec le client. Et tout ça est, entre autres, géré par des dirigeants, des managers qui essaient de donner l'orientation, la cible et d'accompagner toute la force de frappe qui opère dans le secteur. Ce qu'il faut savoir pour faire un focus sur AXA Services Maroc, c'est que nous avons une grande partie de ces compétences qui sont représentées au Maroc, essentiellement des compétences opérationnelles dans le domaine, donc des gens qui s'occupent de l'assurance, qui vont être spécialisés dans telle ou telle branche d'assurance. Nous avons, pour les accompagner, beaucoup de management à des niveaux différents. Et puis, des fonctions support dans la RH, dans la logistique, dans, bien sûr, la finance et un certain nombre de choses par rapport à tout ça. Donc, voilà très brièvement, pour laisser peut-être un peu de temps s'il y a des questions, par rapport à ce que j'avais à vous dire par rapport à AXA Services Maroc. D'abord, je suis très ravi d'être parmi vous. Ravi d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Sean McKinsey et de l'Université internationale de Rabat, avec qui on commence à avoir un partenariat. Donc c'est une, donc de répondre favorablement à la demande, à l'invitation de votre université très prestigieuse, avec qui on commence à avoir donc un partenariat que c'est bon. On commence à avoir un partenariat que j'espère fructueux dans l'avenir, et aujourd'hui c'est une première action. Et donc c'est très intéressant pour les entreprises pour se benchmarker les bonnes pratiques RH. Si je vous parle aujourd'hui de l'AGEF, c'est pour deux raisons. D'abord parce que j'ai la responsabilité d'en parler et de parler de cette association qui me fait vraiment honneur, mais aussi pour passer un message à vous, aux lauréats qui seront demain dans l'entreprise, et aussi aux professionnels de faire part et de participer et d'adhérer à des associations professionnelles, parce qu'ils offrent un espace extraordinaire pour l'apprentissage, pour compléter la formation, pour se benchmarker et pour partager. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est le partage un petit peu des expériences. Donc, sans trop tarder sur cet aspect et sur l'association, je rentrerai directement dans le vif du sujet pour parler un petit peu de la situation économique du pays. Donc, pour passer ensuite à ce qu'on est de l'emploi. Alors, le Maroc est un pays qui ne vit pas en autarcie, bien évidemment. Et vous savez qu'il y a une crise très sévère qui a frappé aux États-Unis en 2006-2007 et qui s'est propagée au niveau international et qui a fait mal à plusieurs pays. Heureusement, le Maroc s'en est sorti indemne jusqu'à un certain temps parce qu'il avait une économie qui a pu développer une certaine résilience à cette crise. Mais jusqu'en fin 2013, donc on commence à sentir quand même l'impact de cette crise. Et l'impact de cette crise, on peut le lire sur les indicateurs économiques qui sont en baisse, les investissements directs qui sont en baisse, le taux de croissance, alors qu'on faisait des 5% en moyenne, aujourd'hui on est sur les 2,5% pour l'année 2014. Donc plusieurs indicateurs macroéconomiques qui indiquent que quand même nous sommes touchés par la crise. Cette crise économique, il impacte forcément donc l'activité économique du pays et de facto l'activité des entreprises. Et il y avait donc l'enquête qui a été réalisée par le cabinet Dior l'année dernière, là où on a demandé aux entreprises leurs prévisions de recrutement, et la plupart des entreprises avaient des prévisions en baisse de recrutement et des budgets qui sont en baisse, chose qui est tout à fait normale. Là, j'ai dressé quand même un topo qui est un peu négatif, mais heureusement, on n'est pas le tableau n'est pas que noir. Et je dirais autre chose avant, il y a déjà un paradoxe au Maroc dans le marché de l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ressources, beaucoup de lauréats, de jeunes qui demandent de l'emploi, mais en même temps, vous allez questionner les entreprises, ils vont dire que nous avons des difficultés à trouver les compétences. Donc je dirais, là, aujourd'hui, c'est un paradoxe au niveau du marché de l'emploi au Maroc.
pour revenir et rester positif, parce que c'est ça en fait l'objectif, et rester positif, je dirais, pour deux raisons. D'abord, c'est que l'économie marocaine ne se comporte pas de la même manière au niveau de tous les secteurs. Il y a des secteurs qui, aujourd'hui, qui présentent de belles opportunités. Et il y a des secteurs moteurs, aujourd'hui, qui sont en reprise. Ces charades peut en témoigner pour, par exemple, le marché du BTP. Et il y a une stratégie nationale pour le développement de l'aéronautique, de l'automobile, qui est très bien faite, bien ficelée, et qui aujourd'hui présente des opportunités extraordinaires pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises. Donc il y a beaucoup de choses qui sont positives pour ne pas rester sur le noir. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, vous devez être, je parle avec les lauréats qui demain seront dans l'entreprise, vous devez être très fier d'appartenir à une université aussi prestigieuse. J'en ai eu l'occasion de parler avec quelques-uns de vos responsables récemment et j'étais vraiment ravi de voir la manière comme ils travaillent pour donner vraiment un enseignement, une formation de qualité. Il y a aussi cet espace fantastique et toute cette infrastructure qui aujourd'hui représente une réelle opportunité pour les étudiants. Il y a aussi ce métissage et ce rapprochement avec l'entreprise qui ouvre aujourd'hui des opportunités pour... Deuxième raison pour dire que pourquoi il faut rester positif. Alors, de manière global, et là je parle sous contrôle de Ciblel, puisqu'il est le professionnel, et il a une vue quand même d'ensemble sur le secteur d'emploi. Donc il y a des secteurs, si je parle de NTIC, donc il y a quand même une tendance qui est baissière. Le BTP, il commence à reprendre. Au niveau secteur bancaire, il y a quand même une stabilité d'emploi. L'aéronautique, l'automobile, ils sont en progression. Et vous avez aussi tout ce qui est industrie, sur câblage, ciment, etc. Bon, ciment, c'est dans le BTP. Et qui, on sent quand même qu'il y a une reprise au niveau de 2014. Et ça, c'est un bon signe. Sinon, pour parler un petit peu de ce sujet de diversité, de métiers, si je puisse dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise s'internationalise. Et on est obligé d'avoir les mêmes pratiques qui se passent au niveau international. Et là, j'évoquerai quand même la notion de chaîne de valeur qui a été développée par Michael Porter et des métiers d'entreprise qui font la distinction entre ce qu'on appelle les primary activities and les support activities. En fait, les entreprises... Les activités premières qui sont le cœur en fait de métiers d'entreprise, on va trouver le marketing, le commercial et la production. C'est-à-dire, ce sont les métiers qui vont créer du chiffre d'affaires, bien évidemment, et ce sont les métiers ou bien les fonctions qui vont être vigilantes à tout ce qui est centre de coût et optimisation du coût. Et on sait bien évidemment que l'objectif de toute entreprise est de maximiser le profit. Maximiser le profit passe par deux choses, agir sur le chiffre d'affaires et les ventes et agir sur la maîtrise des coûts. Ça ne veut pas dire que les autres métiers ne sont pas importants, les autres fonctions de support. Les entreprises, et comme bien a été dit par Madame Meïza, bien que l'entreprise soit spécialisée dans un secteur comme par exemple l'assurance, elle a besoin de plusieurs fonctions de support et heureusement que c'est le cas. Sinon, en parlant et en évoquant cette question d'activité et de Michael Porter, j'aimerais passer le message suivant. Qu'aujourd'hui, la quête de la performance, elle est devenue... c'est dans une entreprise privée, ça a été toujours le cas. On cherche à maximiser le profit, ça passe par la performance. Mais on n'est pas seulement au niveau des entreprises privées aujourd'hui qu'on est en train de, on est en quête de la performance. C'est aussi au niveau des entreprises publiques qu'aujourd'hui commence à parler de cette problématique. Au niveau des ministères et de la fonction publique où le sujet revient vraiment avec insistance. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas comme ça pour travailler, mais on travaille pour produire et pour avoir une performance. La performance, elle peut être mesurée à travers le chiffre d'affaires, mais elle peut être mesurée aussi à travers d'autres indicateurs dont les entreprises qui ne sont pas des entreprises orientées forcément à activité commerciale. Donc le message que je voudrais passer, quelle que soit donc la fonction
pour laquelle vous postulez, ayez toujours en tête votre capacité à participer à la création de valeur. C'est ça ce que vous devez pouvoir apporter là où vous êtes dans l'entreprise. Donc, ayez en tête ça. Alors, sinon, pour les métiers les plus demandés, je parlerai des commerciaux, des technico-commerciaux, des prospecteurs, et ça en lien avec ce que j'ai exprimé pour ce qui est de value chain. Il y a aussi autre besoin lié à la supply chain, à la chaîne logistique, donc la logistique qui se développe aujourd'hui au Maroc. Et hier, j'étais en train de parler avec un ami de Nexans qui m'a expliqué qu'aujourd'hui, ils ont un besoin énorme en termes de logistique. Et on voit tout ce qui se fait au niveau du Maroc pour développer la chaîne logistique, parce que en fait c'est un élément fondamental pour la compétitivité de l'entreprise. Je pense que je termine par ça. J'ai quelques conseils de comment on peut se positionner en tant que lauréat chercheur d'emploi, mais peut-être on laissera ça pour laisser un peu de temps pour le débat. Je vous remercie. Aujourd'hui, on est à peu près 2100 personnes présentes à Rabat. Pour pouvoir postuler chez nous, nous passons essentiellement par des job boards, essentiellement de l'Internet aujourd'hui, après avoir eu une expérience avec le journal, les annonces sur le journal. Mais on voit bien que le comportement des lauréats change. Et donc, en tant qu'entreprise, pour aller les rencontrer, on essaie de s'adapter. Et on essaie de croiser nos chemins. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement sur Internet. Nous sommes également présents sur Viadeo. Et donc, nous allons capter à travers un certain nombre de supports des CV, des gens qui postulent. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Par rapport, vu d'une entreprise, il y a une telle offre sur le marché de compétences et de lauréats. Et une entreprise a peu de temps pour faire une sélection, mais en même temps, elle veut faire une sélection, elle va être très exigeante. Donc, elle va tout de suite aller chercher le CV qui se démarque, la personne qui se démarque, et ça va se démarquer par des choses plus ou moins évidentes, des choses plus ou moins simples. C'est par moments la manière dont on rédige un CV, comment l'enchaînement va se faire, mais aussi des choses un peu plus profondes, à savoir le parcours du lauréat, s'il est fraîchement diplômé, ou de la personne si elle a déjà eu une expérience précédente. Et puis, on va aller chercher effectivement ce que la personne fait à côté de mission principale, si elle fait des études ou si elle travaille, si elle est ouverte à faire autre chose. Parce que souvent, dans l'entreprise, combien même on va travailler on va occuper une fonction ou un poste précis, on va souvent nous demander d'élargir notre champ d'intervention, ou en tout cas, si on ne nous le demande pas, il faut qu'on prenne la main dessus, parce que c'est ça qui fera la différence. Dans la vie, il y a des moments où on va faire la différence à travers un certain nombre de choses, et c'est quand on crée de la valeur ajoutée, quand on dépasse par moments ce qui est attendu de nous, qu'on crée la différence au sein de l'entreprise. Merci. Merci. Si Chevalier, vous nous avez parlé de l'observatoire, enfin, c'est un thème ou un sujet dont on parle depuis un moment. On se dit, est-ce que c'est pas un mirage? Des fois, cette fois, ça semble être sérieux. Quelles sont les différentes étapes et quand est-ce que, bon, c'est qu'un observatoire, ça va permettre bien sûr de beaucoup mieux maîtriser l'environnement du marché du travail, connaître les statistiques, faire des prévisions sur le terme, par aussi secteur, par disons type d'entreprise, par région, et ça permettra de mieux mesurer les différentes évolutions. Donc ce sera vraiment un plus très important pour tous les intervenants sur le marché du travail, pour pouvoir un peu se déterminer et eux-mêmes définir des stratégies qui permettent de mieux répondre aux besoins du marché, et aussi aux écoles, bon, qui informent, donc pour former des personnes susceptibles de pouvoir trouver assez facilement de l'emploi. Donc c'est vraiment un projet de très grande importance. Et c'est bien de dire qu'on va le faire, mais comment et quand? Oui, comme je disais tout à l'heure, donc, nous avons signé un accord avec le gouvernement, avec le Premier ministre, et le document qui a
sécuriser les fonds pour la mise en place de l'Observatoire a été signé également par le ministère des Finances, ministère de la Formation professionnelle, ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle maintenant, et ministère des Finances. Donc, si vous voulez, du point de vue financement, je crois que les choses sont réglées, parce que l'argent est là, il se trouve là, il va être bloqué dans un compte sécurisé qui va permettre la mise en place de cette institution. Alors, nous comptons, au niveau planification, lancer les premières études début 2015. Donc, si vous voulez, ces 5 ou 6 mois qui nous séparent de la fin de 2014 vont nous permettre de mettre en place tous les mécanismes de la gouvernance, etc., et tout ce qui s'ensuit. Et nous pensons pouvoir lancer les premières appel d'offres pour les études, parce que l'Observatoire va travailler, bien sûr, avec des opérateurs, avec des bureaux d'études, etc. Il va leur confier les études sectorielles, les études diagnostiques, les études de besoin, les études de cheminement, tout cela. Donc, devrait se faire début 2015. La GEF au Maroc, comme il l'a dit tout à l'heure, existe depuis 1971. Et c'est une association qui a toujours été très active. Elle a même été aussi un peu à la base, c'est elle, enfin, je me rappelle parce que j'y étais dans le temps, à la base de la création de l'association algérienne et de beaucoup d'autres associations africaines. Et il y a aussi une association africaine, donc il y a une association européenne, il y a une association Amérique latine, une association Amérique du Nord, une association asiatique. Et donc, il y a une association mondiale. Et je sais que maintenant, il est prévu de faire le congrès mondial, peut-être, au Maroc. Et c'est un très, très grand événement. Je me rappelle ceux auxquels j'ai assisté, parce qu'ils se font un peu comme la Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans, je crois. Et celui où j'ai assisté à Paris, il a été ouvert par Jacques Chirac, qui dans le temps était président de la République. Pour vous donner un peu, il y avait à peu près 1500 congressistes qui venaient du monde entier. Voilà, donc déjà les Marocains, ils étaient à peu près une trentaine. Et donc peut-être que celui qui va se faire en 2018, que m'avait dit la dernière fois, se passera au Maroc. Voilà, c'est très bon. Mais la question, c'est aujourd'hui, l'AGEF, en tant qu'association qui regroupe un peu les différents responsables des ressources humaines sur le centre, et qui est un environnement qui est en plein dynamisme, et là, avant, on la connaissait pour être, disons, un environnement très administratif, ce qui est en train de changer assez rapidement ces dernières années. Qu'est-ce que vous offrez? Et en même temps, je vous ouvre la possibilité de donner quelques conseils. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en phasage avec la politique du pays, avec tout le travail qui a été effectué dernièrement par Sa Majesté le Roi sur l'Afrique. Et peut-être un message à vous, Lauria, que l'Afrique, aujourd'hui, ils offrent des opportunités très intéressantes. Aujourd'hui, moi, je travaille au niveau de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc et on vient de signer, nous avons une filiale qui travaille, qui essaye de s'exporter en Afrique, en Côte d'Ivoire, et on vient de signer donc avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire un contrat important pour assurer la maîtrise d'œuvre de 1500 km de construction de 1500 km. Plusieurs entreprises sont sur des contrats assez importants que j'espère qu'ils vont être se concrétiser rapidement sur le plan terrain. Donc là, juste pour dire que ça offre aussi des opportunités, il faut avoir, rester quand même connecté sur le plan langue et maîtriser les langues en tant que lauréat. L'anglais, c'est une langue très importante, et pour pouvoir aussi s'exporter si des ouvertures seront évidemment visibles demain. Sinon, pour les conseils, parmi les conseils, choses à ne pas, surtout à ne pas faire, c'est d'envoyer des emails à 36 000 personnes. Ça ne doit pas être fait. S'il vous plaît, ne le faites pas. Aussi, prenez soin de rédiger votre CV,
de la manière que vous voyez la pluie qui vous reflète le mieux. Tout à l'heure, notre ami avait parlé de la rédaction du CV, des erreurs qu'on peut trouver. C'est pas bien. Faites votre CV, relisez-le, donnez-le à quelqu'un d'autre pour le relire, ça ne fait pas de mal. Sinon, lors d'un entretien d'embauche, soyez vous-même, soyez factuel, et évitez d'être, il ne faut surtout pas être arrogant, mais surtout ne pas tomber dans trop de modestie. Donc, restez vous-même, soyez factuel si vous allez parler d'expérience, etc. Je rebondis aussi sur une chose qui a été dite par Ciblel, c'est que lorsqu'on sort de l'école, la plus importante chose qu'on est prêt à offrir, c'est en fait c'est le savoir. C'est un peu de savoir, enfin, savoir être, mais très peu de savoir faire. Et d'ailleurs, les entreprises n'attendent pas de vous vraiment de présenter une expertise. C'est pas ça. Vous devez avoir une tête bien faite et avoir des aptitudes personnelles, un savoir-être. Et puis l'expertise, ça vient après. Maintenant, peut-être un dernier conseil. Lorsqu'on vous recrute à la sortie de l'école, on vous recrute, c'est vrai, par rapport à la filière que vous avez choisie, mais pas forcément ça. C'est-à-dire vous pouvez être dans un métier qui n'est pas celui que vous avez de la formation de base que vous avez eue, comme vous pouvez être embauché dans un emploi qui est en lien avec ce que vous avez fait et qu'on vous propose autre chose après un mois ou deux mois. La difficulté qu'il y a, c'est qu'au début, vous avez cette latitude de choix ou de possibilité, mais deux ans, trois ans après, on va vous recruter par rapport à l'expérience que vous avez. Ça, c'est un élément très important. Et si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est investissez dans un métier. Si vous faites du marketing, faites-le bien. Si vous faites des RH, faites-le bien. Faites partie aussi, adhérez à des associations, ça complétera votre formation. Merci. Merci pour ce conseil. La question est très intéressante parce que, comme je disais tout à l'heure, toutes les entreprises, même les personnes, ont des données, en fait, elles peuvent exploiter, elles peuvent en sortir quelque chose d'intéressant. Simplement, il faut trouver le moyen de le faire. Et peut-être voir s'appuyer sur les experts, en fait, dont c'est le métier. Aujourd'hui, il y a des gens on a créé d'ailleurs chez Vialimo un département qui se charge d'analyser en fait la donnée et essayer d'en faire quelque chose, soit pour permettre à Vialimo de personnaliser encore plus et mieux ses services à destination de ses membres, soit pour les mettre à disposition justement des annonceurs, des recruteurs, etc. Et on essaie de le faire. On essaie de le faire à travers les événements qu'on organise. On essaie toujours, selon la thématique, de présenter des données qui peuvent être intéressantes. Parce que nous-mêmes, on est surpris des fois de constater certaines données et la richesse de ces données. Parce que l'avantage d'un réseau comme Vialimo, c'est que nous avons des données qui sont statiques, c'est-à-dire les informations qui sont renseignées au niveau des profils, qui nous permettent donc de collecter de la donnée. Et nous avons une autre catégorie de données qui est la donnée comportementale. Ça veut dire combien de temps passent nos membres sur Vialimo, quels sont les moments où ils consultent le plus leur profil, enfin les informations par rapport à leur compte Vialimo, depuis quel média, d'accord. Par exemple, récemment, on a fait faire des études, donc des sondages, etc. Et ensuite, met à disposition ces études, nous avons un site qui s'appelle vialeocorporate.com sur lequel vous avez les études en fait, qui sont mises à disposition, qui peuvent vous permettre d'accéder à ces informations, ces statistiques, etc. Il arrive que nous publions dans le cadre de journaux, parce que la presse est très intéressante, elle est très, très intéressée par tout ce qui est donné. Donc dès l'instant que nous lançons une étude et que les résultats sont mis à disposition, la presse s'en saisit immédiatement pour dire tiens, aujourd'hui au Maroc, ben, c'est les services qui recrutent le plus, d'accord, avec des tendances qui sont données. Et sur la base de données vraiment très très factuelles. Et on va essayer de pouvoir rendre encore plus accessibles ces données sur les différents supports qui sont utilisés de plus en plus.